deux sessions? Vous êtes sérieux? Oui. Et la compagnie est livrée avec son QG, fourni par Bavendia. Ce serait pas mal pour démarrer votre carrière, non? Tout à fait, tout à fait. Bon, attendez, attendez. J'ai tout ce qu'il faut ici, voilà, les petits papiers. Signez-la, n'hésitez pas, y a pas de soucis. C'est parfait. Ah, nous y voilà, le QG de HeroQuest. Bon, allons découvrir notre équipe. Ah, vous allez pas être déçus du voyage, c'est moi qui vous le dis. Mais vous me suivez, là? Évidemment que je vous suis. Quand on est en compétition pour le titre de pire aventurier de Burgundia, il faut bien un témoin. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Courage. Matin. Et petit Basque est toujours parvenu de sa quête solo. Ah génial, on va être obligé d'y aller sans chef quoi. Ok. C'est vous HeroQuest? Qu'est-ce que vous foutez là? Je viens de signer pour être le chef de votre équipe. Ah oui, alors nous, c'est pas HeroQuest. Hein. Le nom a été modifié par Burgundia à cause de la mauvaise fortune de notre équipe. Regardez, c'est marqué, là, en tout petit, équipe rebaptisée Zero Quest. C'était trop beau. C'est de ma faute. Je vous ai envoyé sur la même quête que notre chef en pensant qu'il vous recruterait et voilà le résultat. Mais non, c'est pas vous, c'est cet enfoiré de Tibat. Il cherchait à se débarrasser de Zero Quest, il a trouvé le bon pigeon, c'est tout. C'est comme ça, c'est fait. Mais vous verrez, on fera une bonne équipe. Mais vous auriez pu me dire que vous étiez aventurier. Il y a un proverbe guerrier qui dit, enfin, qui raconte. Moins tu sais ce que tu bois, plus tu bois ce que tu sais. Je suis de la classe des guerriers. J'ai un passif de chevalier, mais j'ai été déchu par rapport à la boisson. Donc du coup, guerrier. Alors moi j'ai fait au moins 50 classes. Bon, je me suis fait virer à chaque fois, mais du coup, avec tout le matos que j'ai accumulé, je suis maître d'armes. Un guerrier et un maître d'armes. La classe! Ravi de faire cette première aventure avec vous, les gars. Quête de la source druide, fontaine guérisseuse qui soigne la fièvre. Oh là là, il y a tout un rituel. Avant de se lancer tête baissée dans un rituel, on devrait peut-être... Si vous avez peur d'une toute petite quête à base d'eau, on n'est pas rendu. Allez-y, Kalem, annoncez, je m'y colle. Faire trois fois le tour de la pierre recouvrant la source sacrée. Un. Deux. Trois, top! Couchez-vous sur la pierre, sur le ventre. Impeccable! Et maintenant, il faut dormir! Heureusement, j'ai mon petit somnifère. Et il n'y a plus qu'à lui donner de l'eau. Aidez-moi! Tournez-lui la tête! Alors, Motte, votre fièvre, ça va mieux? Ma fièvre? Quelle fièvre? J'ai pas de fièvre, moi. Oui, alors votre rituel, là, c'est pour faire fonctionner la source, pas pour arrêter sa magie. D'ailleurs, c'est dit, attention! Si le rituel est effectué en absence de maladie, alors une fièvre mortelle viendra foudroyer le profanateur. Mortelle? Foudroyant? De toute façon, s'il y reste, les tombes, elles sont déjà là. Quand même. Nom du gnôle, c'est quoi votre truc? De boulet mort. C'est un mélange alchimique à base de plantes médicinales. Et du coup, on fait quoi pour cette fontaine?
problème est réglé. J'ai mis une petite préparation de mon cru, appelée aussi laxatif. Le prochain qui boira de cette eau aura une drôle de surprise. Pas mal. Vous aviez raison. On va peut-être faire une bonne équipe. Bienvenue à HeroQuest. Désolé, j'ai voulu vérifier si la fontaine était plus magique et...